Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, c'est bientôt le week-end et c'est aussi l'arrivée de Xyr sur Destiny. Destiny qui, à mon grand désarroi, est un petit peu délaissée ces derniers temps. Il y a la nouvelle map zombie et puis c'est vrai qu'on commence à faire un petit peu le tour sur Destiny. Donc c'est vrai que l'arrivée prochainement de la mise à jour le 9 février prochain va faire vraiment beaucoup de bien. En attendant, ça ne nous empêche pas de rendre comme chaque semaine notre petite visite à Xyr et de voir ce qu'il a à nous proposer. Et donc c'est parti pour ce week-end, Xyr nous propose les points d'immolation pour le titan, donc des points qui vont vous permettre de conférer l'effet bûcher détonnant de la doctrine, qui vous permettent également d'augmenter votre vitesse d'attaque de mêlée et de rechargement des revolvers. Alors personnellement je ne trouve pas que ce sont les meilleurs items exotiques pour le titan, en revanche je les possède déjà ne serait-ce que pour la collection. On passe maintenant au saltimbanque radieux pour les chasseurs, des bottes dont j'ai toujours trouvé qu'elles n'avaient qu'une utilité, à savoir esthétique. Bon, en revanche, elles vous permettent quand même de vous déplacer plus rapidement lorsque vous visez ou d'augmenter votre quantité de munitions de fusil à fusion ou encore d'améliorer votre agilité, et ceci pendant juste 5 secondes après un double frag abyssal, donc bref, bottes qui sont surtout plutôt esthétiques qu'utiles. Et enfin, on passe au casque Le Cerf pour l'arcaniste, un très bon casque qui va vous permettre notamment une fois par vie de recharger votre super plus rapidement lorsque tous vos coéquipiers sont morts. Donc vous l'aurez compris, par exemple pour l'escarmouche ou pour l'Osiris, c'est très intéressant et qui vous permet de retrouver un surbouclier lorsque vous réapparaissez. Un casque qui vous octroie également de l'énergie de super supplémentaire en cas de frag à la grenade et qui vous permet de régénérer vos boucliers quand vous ramassez des orbes. Côté armes pour cette semaine, ce sera le règne de Suros, donc qui permet d'augmenter ses dégâts en mode visé, et enfin un engramme classique de l'année 1. Côté rareté, comme d'hab, les passereaux, munitions lourdes, les trois deniers, épines de verre et échange de particules de lumière. Donc pour ma part cette semaine, j'ai déjà ces trois items exotiques ainsi que la Suros. Les engrammes de l'année 1 ne m'intéressent pas, donc encore une fois, ce sera un petit peu de munitions lourdes et surtout beaucoup de trois deniers. Voilà, n'hésitez pas à me dire de votre côté sur quels items vont se porter vos choix pour ce week-end. En attendant, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien profiter de ces deux jours de repos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur du Destiny. Ciao tout le monde !